Cher public, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission consacrée à la littérature caribéenne. Aujourd'hui, je reçois une autrice au parcours exceptionnel, jalonné de nombreuses distinctions, comme par exemple Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, et aussi de nombreux prix littéraires, dont le dernier en date est le roman du prix historique pour son roman intitulé « Adi, soleil noir », paru aux éditions Philippe Ray et mis en voix par les éditions Une Voix, Une Histoire. Un papillon dans la cité, l'espérance Macadam, Case mensonge, l'exil selon Julia, les voyages de Mary Cisale sont quelques-uns de ces nombreux et célèbres romans qui ont marqué les esprits. En effet, l'autrice compte à son actif 11 romans pour adultes, 9 romans pour la jeunesse, 11 nouvelles ainsi que des essais, sans compter sa participation à de nombreuses études. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Gisèle Pinault. Écrire permet-il de survivre? L'auteur, israélite Aaron Appelfeld, écrit ceci. Écrire, c'est faire sortir des choses de l'oubli. Gisèle Pinault, merci d'être sur ce plateau. Merci de votre accueil. Alors, comme j'ai choisi pour ce type d'émission de faire une conversation, est-ce que ça te pose problème qu'on se tutoie? Avec plaisir, Laure. D'accord. Alors, tout d'abord, je tiens à te féliciter. Nous te félicitons tous pour ce prix donc, du roman historique que tu as reçu le 8 octobre, des mains donc, de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as su que tu étais lauréate de ce prix du roman historique? Eh bien, tout d'abord, une très grande surprise, parce que je ne savais même pas que j'étais en sélection. Qu'Adi Fidelin était en sélection pour ce prix. C'était un grand bonheur, une grande joie, un émerveillement, parce que ce livre est paru au mois de janvier 2021. Et nous sommes en octobre et d'un seul coup, il y a cette remise en lumière qui lui permet d'exister de nouveau dans l'actualité. Alors c'était beaucoup de joie. Je suis un peu une enfant qui s'émerveille toujours. Alors c'était fantastique pour moi. D'accord. Alors justement, pour revenir à la citation donc, de Monsieur Appelfeld qui dit « Écrire, c'est faire sortir les choses de l'ombre, de l'oubli ». Pourquoi Adi? Qu'est-ce qui t'a plu chez cette femme? Raconte-nous, s'il te plaît. Pourquoi Adi? En quoi elle te fascine? Qui est Adi? Alors, je suis une grande passionnée du mouvement des surréalistes, avec Man Ray, Paul Éluard, tous ces artistes et intellectuels qui ont changé l'art dans les années 30. Alors, Adrienne Fidelin, je la découvre dans les pages de l'autoportrait de Man Ray. D'un seul coup, il y a cette Guadeloupéenne qui débarque. Et Man Ray écrit, j'avais rencontré une jeune Guadeloupéenne des colonies françaises de la France. Elle était danseuse, nous nous aimions. Et ça m'a mis vraiment la puce à l'oreille. Je me suis dit... Je vais chercher la trace d'Adi dans la biographie de Man Ray. Bien sûr, j'ai lu plusieurs fois Autoportrait de Man Ray. Et puis ensuite, j'ai recherché au niveau des photos qui sont publiées très largement un peu partout sur Internet. Et plus je tirais des fils, plus je découvrais des pans de la vie d'Adrienne Fidelin. Et c'est une histoire qui est elle-même déjà dramatique et romanesque à la fois. Alors, Adrienne Fidelin, j'ai parcouru son arbre généalogique. J'ai découvert que sa mère était décédée pendant la nuit du passage du cyclone de 1928. C'était un choc pour moi. Donc, Adi est orpheline de mère parce qu'il y a eu cette violence de la nature, ces vents violents. Et 2 ans plus tard, en 1930, son père meurt. Et elle va partir en France avec sa sœur aînée, Raymonde. Adi va laisser une Guadeloupe complètement dévastée, son quartier de Pointe-à-Pitre, une île à genoux, démembrée, éboulée sur elle-même.
Elle arrive à Paris, c'est la fin des années folles. Joséphine Baker est à l'apogée de son succès. C'est la reine des nuits parisiennes, le bal nègre. Le bal nègre, oui. C'est une époque, celle à laquelle Hadi va débarquer à Paris, qui est dans un excès. Les gens sortent de la Première Guerre mondiale. Pour eux, c'est la der des der. Mais ils savent tout au fond d'eux-mêmes et aux frontières qu'une autre guerre va arriver très vite. Donc dans cet entre-deux-guerres, il y a tout le mouvement de la négritude. Je retrouve Aimé Césaire, Damas, Senghor. Je retrouve mes chers surréalistes qui sont là aussi, Picasso, qui sont en train de réinventer l'art et en même temps de s'inspirer très largement de toutes les œuvres et les pièces qu'ils découvrent dans les musées d'ethnographie. Absolument. Et ils vont sortir toutes ces œuvres et toutes ces sculptures des musées d'ethnographie et vont décider, eux, ces artistes, que c'est de l'art. Alors, l'art nègre, bien sûr, et il y a les musiques, la biguine, et partout dans les nuits parisiennes, les musiques noires américaines également. C'est aussi l'époque des grandes expositions coloniales en Europe et Paris, sur le bois de Vincennes, en 1931. Donc, cette époque est tellement riche, dense, foisonnante, extrêmement, je ne sais pas comment dire, mais pleine de lumière et d'images pour moi, et de sons, des musiques, de la peinture, de l'art à l'état brut. Alors, Hadi, elle est là, elle va intégrer les amis, le cercle d'amis de Man Ray. Et ça va être la fête entre deux guerres. Mais j'ai voulu parler d'Adrienne, pas simplement comme une danseuse. Tout à fait. D'autres diront comme une danseuse de la France ou comme une poupée exotique, oui, ou une belle fleur tropicale. Je voulais parler d'un parcours de vie. Cette jeune femme orpheline, elle débarque à Paris, elle va se laisser griser par ce mouvement, par cette folie, par ce tourbillon de fêtes qu'elle va connaître auprès de Man Ray, parce qu'elle a déjà traversé le pire. C'est ce qui m'intéressait. Sur le plan de la dramaturgie, elle est orpheline, elle a vu son pays dévasté, elle sait que le bonheur peut s'arrêter de façon brutale. Et quand elle sent la guerre approcher, elle sait que ça va s'arrêter, son temps de bonheur avec Man Ray, et elle veut vivre pleinement. Et c'est ce qui m'intéressait. C'est la vie, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, comment on survit, puisque c'était là votre première question. Tout à fait. Comment on survit au milieu du désastre, comment on se construit, comment on s'adapte à ce qui vient, à ce qui est. Et comment on donne le change par ses sourires et par le rire. L'écriture, pour moi, a été de la survie. Tout à fait. Parce qu'effectivement, on se rend compte dans ce roman que Adrienne aime beaucoup danser, mais en même temps, on sent une profondeur chez ce personnage. C'est-à-dire qu'au-delà de sa légèreté, elle dit qu'elle aime danser depuis toute petite, d'ailleurs, parce que ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'elle fait souvent des allers-retours à un certain moment entre sa vie, la vie qu'elle vit à Paris avec Man Ray et tous ceux qu'elle rencontre, mais aussi sa vie quand elle était enfant. Et à un moment, j'ai bien aimé ce passage où son père aimait écouter de la musique. Et elle, dans la chambre, elle danse et sa mère lui dit « Ah ben dis donc, toi, tu aimes vraiment beaucoup danser. » Et finalement, que représente la danse pour Hadi? Est-ce que c'est juste parce qu'elle sait qu'elle bouge bien ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors, je ne peux pas vraiment rentrer dans la tête d'Hadi, même si c'est l'exercice que j'ai entrepris en écrivant ce roman à la première personne tout à fait. Parce que nous découvrons Hadi âgée au tout début du roman. Absolument. Et elle se souvient de sa vie. Et c'est par ce procédé que j'ai pu remonter dans ses années 30 et même plus tôt dans son enfance en Guadeloupe. Alors, elle danse. Pourquoi des gens dansent? Pourquoi d'autres rient? Pourquoi d'autres écrivent? Parce que il faut bien affronter le pire. Et j'étais tellement étonnée, intriguée de découvrir sur les centaines de clichés qu'on retrouve sur Internet des photos d'Hadi, Adrienne Fidelin,
Elle a ce sourire éclatant. Magnifique, oui. Elle va illuminer la vie de Man Ray. Elle rayonne, elle est épanouie, elle est une boute en train. Elle n'est pas la cinquième roue du carrosse des surréalistes, des amis surréalistes. Elle n'est pas là un petit peu en train de les regarder. Elle est partie prenante, elle est à l'initiative, elle est dans la fête, elle les tire vers la lumière. Elle a envie de vivre. Elle a survécu au malheur de sa famille. Elle a survécu à la mort, à la perte de sa mère, de son au père. Deuil de son père. C'est une survivante. Alors, elle veut rire, elle veut chanter, et elle veut surtout danser parce que son corps est en mouvement. Et quand son corps est en mouvement, elle oublie l'âpreté des jours et la violence du monde. Alors moi, il y a une chose aussi qui me frappe dans ce roman. Quand même, on est dans les années 30 et elle est très libre comme jeune fille. Je veux dire que c'est quand même l'époque où il y a tout un certain nombre de dictats à propos donc des femmes, de leur corps, de leur manière d'être. Sa grande sœur chez qui elle est allée vivre lui demande de se calmer un peu, fais attention à ce que tu fais. Et elle, je trouve qu'elle jouit d'une liberté mais totale. Elle s'éloigne déjà des préjugés liés à cette époque. Elle est jeune. Femme, de surcroît noire. Alors, est-ce que c'est cette liberté qui t'a plu chez elle ? Mais j'ai été jalouse de cette liberté qui n'est plus du tout possible aujourd'hui. Mais c'était le mouvement très particulier des surréalistes, où l'amour était libre, où ils passaient des soirées à se déshabiller, à échanger, à changer de partenaire. Il y avait une vraie liberté. Et d'ailleurs, un célèbre ami de Man Ray, Marcel Duchamp, avait défini Man de cette manière. Man Ray, nom masculin, synonyme de joie, jouer, jouir. Et Adrienne, elle va complètement adopter ce programme de vie. Qu'est-ce qu'elle a à perdre ? Elle a déjà perdu ses parents, elle a vu son pays dévasté, elle sait que rien ne dure. Donc, elle était libre, elle n'était pas du tout coincée, elle n'était pas timorée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que sur la couverture, on retrouve une photo d'Adi, vraiment dénudée, mais c'est une œuvre d'art. Et lorsqu'on me dit « mais c'est un peu obscène », je dis « non, c'est pas obscène ». C'est de la beauté, c'est simplement de la beauté. Ce qui est obscène, c'est la sauvagerie des êtres humains, c'est la barbarie, c'est le nazisme, le racisme, c'est tout ce que les hommes sont capables de faire dans l'horreur, dans l'indifférence la plus totale. Gazer des gens, enfermer des gens, obliger des gens à porter une étoile jaune, mettre des gens dans des camps, mettre des gens en esclavage. Mettre des gens dans un système de domination, les écraser, ne pas leur reconnaître leurs conditions d'être humain. Alors, tous ces thèmes-là me concernent, me touchent profondément. Et à travers Adi, j'ai pu de nouveau aller explorer tous ces thèmes-là. Qu'est-ce que les êtres humains sont capables de faire ? Comment changer le cœur des gens ? Et Adi, pour moi, était cette petite... lumière. Qui était capable de dire, eh ben voilà, vous allez tuer, ça va être encore la guerre, mais pour l'instant, je danse, je ris, je m'amuse. Et Man Ray lui ressemblait, parce que on le retrouve comme un enfant, il aime jouer, il aime se déguiser. Tout à fait. Ils étaient très, très complices. Et dans son autoportrait, Man Ray évoque largement l'amitié qu'il a avec Adrienne, qui était aussi son amante. Et il dit que c'était une très bonne, très belle compagne. Elle était calme, détendue, elle rigolait avec moi. Et d'ailleurs, quand ils ont fui Paris, au moment de l'exode, il écrit dans ses mémoires, il n'y avait pas mieux qu'Adrienne, parce qu'elle riait de mes blagues, même si on était tous les deux très angoissés. Et puis Adrienne, elle a été effacée un petit peu de l'histoire. Voilà, ça a été une muse qui a été là, dans la vie de Man Ray, au moment le plus flamboyant du mouvement des surréalistes. Et elle a beaucoup inspiré Man Ray. On retrouve d'ailleurs dans la création, dans les œuvres de Man Ray,
à ce moment-là, dans les années 1938, surtout au moment où il y a eu la grande exposition Absolument. Surréaliste. Alors, Man Ray a une œuvre qu'il va baptiser « Adieu foulard ». Alors, quand Man Ray et Paul Éluard décident d'écrire et de dessiner, de créer un livre à quatre mains, les mains libres, eh bien, c'est Adi qui est là. Et d'ailleurs, on retrouve dans les textes que j'ai étudiés vraiment de près, on retrouve la trace de cette fille noire. On retrouve la trace aussi dans la poésie de Man, puis dans les dessins, bien sûr. Dans les dessins de Man Ray, on retrouve bien sûr tout à fait Adrienne. Alors en fait, j'avais assisté au café littéraire lorsque tu avais présenté donc Adi, Soleil Noir. Et ce sont des reproches que j'ai souvent entendus, que quand on regarde la façon dont elle était perçue par justement tous ces surréalistes, la manière dont elle vivait, j'entends souvent la critique suivante, elle était un prétexte, elle était juste la poupée noire amusante, distrayante, parce qu'à un certain moment ils vont se séparer, Man Ray et elle. Et on dit, mais finalement, Man Ray n'en parlera pas plus que cela et qu'Adi finira oubliée, seule. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela ? Mais je peux répondre, alors. Je peux répondre. Il faut avoir lu les mémoires de Man Ray pour se dire non, elle a tenu sa place. C'est la seule femme dans son livre au sujet de laquelle il va parler d'amour. Il y a eu, avant Adi, il y a eu Kiki de Montparnasse, qui est une célèbre muse. Ensuite, il y a eu Lee Miller, qui était une Américaine flamboyante, magnifique, et qui a d'ailleurs été l'élève de Man Ray et qui est devenue elle-même aussi photographe. Et il y a Adi, il ne l'a pas oublié, il en parle très largement. Il dit « Nous nous aimions ». Il dit « Voilà, c'est l'exode ». Avec Adi, on doit partir sur les routes. Ils vont passer. Ils racontent toute cette épopée terrible. Hein. Ils ont embarqué une bouteille de champagne et puis ils sont partis sur les routes jusqu'au Sable d'Olonne. Ensuite, quand Man Ray revient sur Paris, comme de nombreux Parisiens, il fallait remonter encore sur les routes, quitter la zone libre et puis remonter sur Paris. Tous les artistes étaient invités à remonter. Man Ray devait préparer des salles pour des photos. Il devait encore photographier quelques mannequins américaines pour des magazines. Il remonte avec Adrienne. Il voit les noms des rues débaptisées. Il voit les hôtels assaillis par les envahisseurs, par les nazis. Ça y est, les forces nazies ont défilé sur les Champs-Élysées. Il remonte avec Adi. Il est noir, elle est noire. Oui. Il est juif. Elle est noire, il est juif. On les regarde déjà de travers. Il propose Man Ray. Alors, les gens qui disent que ça a été la muse oubliée, pour moi, c'est ça qui est facile. C'est ça de dire qu'elle a été la muse oubliée. Elle n'a pas été la muse oubliée. Il en parle très largement dans son livre. Alors, ils remontent, ils sont de nouveau à Paris. Man Ray va à l'état-major allemand pour demander deux laissez-passer pour rejoindre la zone libre, parce qu'ils vont il va prendre un bateau pour rejoindre l'Amérique. Tout à fait. Deux laissez-passer. Man Ray écrit, j'ai dit à Adi de se préparer, on a les billets de train, on part. Maintenant, il faut partir, Adi, lève-toi, il se fâche. Man Ray écrit, je me suis fâchée. Et Adi dit, non, je suis malade, je reste. Elle se plaint, j'ai mal au ventre. Et puis je reste pour m'occuper de ma famille. Man Ray dit, je me suis fâchée, je voulais qu'elle vienne avec moi. Et c'est elle qui a décidé de ne pas l'accompagner. Ensuite, ils vont continuer à correspondre. J'ai retrouvé de la correspondance jusque dans les années... Dans les années 58 à peu près, et ce n'est pas fini. Quand il va rencontrer quelqu'un, elle va se rencontrer quelqu'un aussi, elle va se marier. Et quand Man Ray écrit ses mémoires, ils étaient tous les deux avec quelqu'un. Lui, il était avec Juliette Bronner, elle était avec André Hart, son mari, ils vivaient dans le sud. Est-ce que
une Adi vieillissante n'aurait pas suggéré à Man de pas entrer dans tous les détails de leurs histoires, de pas tout raconter. Deux derniers points. Man Ray va décéder en 1976. Jusqu'en 1971, on retrouve encore des dessins de Adi. D'accord. En 1971, soit 5 ans avant sa mort. Un tout dernier point maintenant. Dans ses mémoires de retour des États-Unis, Man Ray va être extasié, époustouflé de retrouver ses œuvres qu'il avait laissées. Qui a sauvé les œuvres de Man Ray? C'est Adrienne Fidelin. Les choses ont été stockées dans un vieux grenier. Des photos, des plaques, des pellicules, des dessins. Bien sûr, il avait laissé une partie de ses œuvres à des amis sur place, et notamment à un marchand de couleurs de la place. Mais il dit qu'une quantité de pellicules, de photos, de manuscrits, de carnets qu'il croyait avoir perdus, c'est écrit dans Autoportrait de Man Ray. Donc c'est Adi qui a joué ce rôle très important. C'est énorme. Contrairement à ce qu'on peut penser énorme. D'elle, elle n'était pas donc un prétexte ni une poupée. Elle avait tout à fait joué un rôle. Conscience de vivre auprès d'un artiste majeur. Et des fois, on s'autoflagelle. Parce que c'était la seule noire, alors c'était une poupée noire. Parce que c'était la seule noire, elle était bête. C'est parce que c'était la seule noire, c'était la plante tropicale. Non, elle a été une vraie, vraie compagne de Man Ray. Et j'ai voulu restaurer son image. C'est vrai qu'elle était dans l'oubli, mais est-ce que ce n'était pas un de ses désirs aussi? D'accord. On ne sait pas. Et est-ce qu'aujourd'hui on trouve en Guadeloupe, parce que je crois qu'elle a aussi des origines saintoises, si j'ai bien compris. Saintoise et pointoise. Et pointoise. Oui. Est-ce qu'on a retrouvé, depuis que tu as sorti donc, ce roman, est-ce que sa famille, est-ce qu'il y a eu des descendants qui t'ont contacté pour... Alors j'ai essayé, moi, de mon côté, pendant la rédaction de ce livre, de contacter quelques personnes. J'ai eu quelques personnes, que je remercie d'ailleurs à la fin de l'ouvrage. Mais ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si elle avait laissé une image un peu sulfureuse, puisqu'il y a toutes ces photos qui circulent aujourd'hui, qui sont accessibles, qui sont sulfureuses si on veut, mais c'est aussi la joie de la vie, c'est la survie, une histoire. Ces photos témoignent d'une histoire d'amour extraordinaire. D'accord. Je te remercie vraiment pour cet hommage, hein, parce qu'effectivement, lors de l'exposition, donc le modèle noir qui a eu au MACT il y a 2 ans ou bientôt 3 ans, on a vu effectivement certaines photos. C'est là que moi je découvre cette femme, puisqu'il y a une photo d'elle avec, et c'était écrit en créole en plus. Alors justement, il y avait encore tous ces mots créoles dans l'œuvre de Man Ray. Exact. Non, mais ça m'a fait vraiment sourire. Et je me suis dit, mais tiens, qui est cette femme dont je n'ai jamais entendu parler, Adrienne Fidelin. Donc je suis restée comme ça, pantoise devant cette photo, et je me suis dit, et puis après ton livre sort, et je me suis dit d'accord, j'ai fait le lien avec Man Ray, qui manifestement a effectivement beaucoup photographié, beaucoup dessiné. Mm-hmm. Et je me suis dit que peut-être que si elle n'avait été qu'un prétexte, des personnes, des femmes et tout, c'est pas ce qui manquait. Et je pense qu'il aurait eu tout le loisir d'en faire davantage. Et puis je vais juste ajouter quelque chose. Ça a été un travail de recherche vraiment conséquent, de beaucoup de documentation. Et c'était la première fois en fait que je me lançais dans une biographie. Moi, je suis avant tout une romancière. Absolument. Et je faisais de la fiction, j'invente des histoires avec des personnages qui n'existent pas. Voilà, je crée mes personnages. Mais là, il fallait que je sois le plus fidèle possible à la réalité de la vie d'Adi, tout en comblant des zones manquantes. Nous vous remercions. Je remercie beaucoup donc Gisèle. Nous allons faire une pub avant de passer à la seconde partie. Je vous dis à tout à l'heure.